Après le franc succès de la saison 2 de la chronique des Bridgerton, la série phénomène de Netflix est d'or et déjà attendue pour la saison 3. Des premières informations circulent et ne devraient pas ravir tout le monde. Dans la chronique des Bridgerton, les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Simone Ashley, l'interprète de Kate Sharma dans la saison 2, a révélé que la troisième saison aura encore moins de scènes de sexe que la deuxième, qui avait déjà largement édulcoré l'action de ce point de vue en comparaison avec la saison 1. Cette nouvelle vient peu après l'annonce sur le couple Park qui tiendra la vedette dans le troisième volet. En effet, comme nous l'annoncions il y a quelques jours, cette nouvelle saison se concentrera sur l'histoire d'amour entre Colin Bridgerton, Luke Newton, et Penelope Featherington, Nicolas Coquelin. Le Daily Mail rapporte les propos de Simone Ashley lors d'un photocall pour la prochaine saison, dont la production commencera cet été. L'interprète de Kate Sharma a expliqué que les centauries seront beaucoup moins abondantes. Cette nouvelle survient après la déception de certains fans par le manque de sexe dans la deuxième saison. En effet, une seule scène de sexe a réuni Kate et Anthony, Jonathan Bailey, et elle n'est arrivée qu'à l'épisode 7. Un contraste frappant avec la première saison qui, elle, comportait un certain nombre de moments torrides entre Daphne Bridgerton, Phoebe Dynevor, et Simon Bassett, Roger Jean Page. Découvrez ci-dessous la vidéo de la visite du tournage de la saison 2 avec Nicolas Coquelin et Claudia Jessi, la chronique des Bridgerton, saison 2 bonus de visite du tournage avec Nicolas Coquelin et Claudia Jessi. Thank you.